neuvième journée de championnat dans cette division 1 amateur. Ce soir, Serein reçoit Aist, une équipe dont il faudra se méfier tout simplement parce que c'est une équipe qui a démarré tambour battant 9 sur 9 avant de connaître un coup d'arrêt 4 sur 12. Mais il faut quand même retenir que cette équipe a déjà pris 9 points sur 12 en déplacement. Elle inscrit peu de buts, 7 buts. Elle en reçoit très peu aussi, 7 également. Et elle est 7e au classement, mais même peut-être 5e puisqu'ils sont 3 à se partager à 3 points de Serein, cette 5e place avec 13 points. C'est Aist donc avec sa kyrielle de joueurs liégeois, à savoir Englebert, Lesti, Bamona et le 3e qui n'est autre que Florian Jean-Debien, tous 3 passés par la formation de Visé par le passé. Place au match. Sanogo qui va passer, évidemment, Sanogo qui a de la vitesse, Sanogo, il rentre, Gay qui suit, ça ne passe pas loin cette première tentative après cette minute de jeu. Oh, long ballon. Oh, il est lourd là, manifestement. Van Arscott et aucune intervention d'arbitre. Bien joué là. Bien revenu et puis du coup on va se relance Jean-Debien et première intervention après 20 minutes de Werner. Qui s'appelle le ballon qui fait sauter, attention à Webers qui montait, qui ne parvient pas à conclure. Il est en bonne position, on a trompé Werner. Chaleur du côté libéré. Faille qui repart et qui va passer l'axe du terrain. Ça va au nid, la bille. Romissuers, il n'y a pas grand monde pour venir l'aider. Voilà, Cassio, ça c'est enfin du mouvement digne de Serein. La bille. Et on revient, voyez, à la fois. C'est logique. Cassio, premier poteau. Boulanger était passé par là. Ça n'est pas fini. Cette fois-ci, si. La solution. On cherche, on tente. Mais ça manque d'accélération. Bonjour, on l'a bien vu. La seule fois qu'ils ont accéléré, ils ont mis cette équipe totalement hors position. Et ça a donné un coup franc. Sanogo dans l'axe. Sanogo. Sabaouni qui peut frapper. Sabaouni ne le fait pas. Il isole. Gay et c'est un but. Enfin le but qui tombe à la 37e minute de jeu. C'est construit, c'est limpide. C'est patient aussi. Et c'est totalement mérité. Serein mène 1-0 dans cette partie. Moussa Gay. La pause à faire du bien du côté de Aist. On sent vraiment cette équipe fatiguée déjà. Entre vestiaire après 45 minutes de jeu. Serein, Gay directement sur Van Arscott qui intervient pour la première fois en deuxième période après une grosse domination de Aist dans le premier quart d'heure. Sanogo Labil, c'est bien joué. À nouveau pour Sanogo, mais ce sera peut-être un peu trop profond. Wibers va devoir dégager avec beaucoup d'intelligence. Et le ballon n'est pas sorti. Et la bille est repassée par là. Et Sanogo aussi. Sanogo qui s'engouffre et c'est but. Ah, magnifique but de Sanogo. Tout seul, comme un grand. Serein n'emmenait pas la chance début de deuxième période. Mais beaucoup de réalisme de Sanogo qui pousse le ballon au bon moment. Hors de portée de Van Arscott. Et c'est 2-0. Serein. Avec Sanogo et un ballon qui traîne dans la surface et qu'on ne parvient pas à mettre dedans. Oui, Webers. Attention à ce ballon là dans le dos de la défense. Carrasco et intervention de Werner et Connor. Attention sur ce corner.
corner et un penalty. Une faute trouvée de nulle part. Est-ce que... Et il le fait d'ailleurs, Ace. Il réduit la marque à maintenant 7 minutes de la fin. J'ai qui en avant. Attention, parce que ça c'est la deuxième. Hein. C'est la rouge, ça commence un petit peu à tourner en doute. Boudin ce match. Voilà, fin du match, victoire totalement logique de Serein qui a dominé la première mi-temps et qui était un petit peu bousculé dans le quatrième quart. Mais voilà, quand on vient défendre, quand on vient faire un mur, il faut aussi parfois reconnaître que sa tactique est mauvaise et qu'il faut oser venir jouer. Serein l'a fait, l'équipe adverse ne l'a pas fait et elle retourne sans les 3 points, ce qui était tout à fait logique ce soir. Nouveau succès de Serein qui s'isole à la deuxième place, car si les résultats se confirment, il y a des défaites pour l'Olympique, pour l'équipe de Tess, mais vous verrez tout cela au niveau des classements et des résultats. Ça va être toujours compliqué avec les équipes qu'on va affronter, parce qu'ils vont toujours nous attendre derrière, on va avoir moins d'espace. C'est à nous d'être concentrés, profiter des heureux et d'être un peu patient aussi. Faire circuler le ballon, profiter des espaces qu'ils vont nous laisser, parce que on va, ça va être tout le temps comme ça. Les équipes, ils savent qu'on a une bonne équipe, on joue bien au foot, donc ils vont toujours nous attendre. Ils ne vont pas trop nous laisser des espaces. Ça va être toujours comme ça, mais on s'attend à ça aussi, donc on se prépare à ça. Est-ce que tu étais venu pour quoi aujourd'hui? Pour défendre ou pour quand même essayer de faire quelque chose? Parce que pendant 45 minutes, vous avez bétonné. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on était venu au moins pour prendre un point, parce qu'on sait très bien que Serein, c'est une bonne équipe. Donc on a essayé au moins de partir avec un point. Mais bon, malheureusement, on n'a pas su prendre au moins un point. Quand on voit les occasions qu'on a eues, même avec notre capitaine à la première mi-temps, après voilà, je pense que Serein, ils ont eu des occasions, ils ont marqué toutes les occasions. C'est ça qui a fait la différence. On doit mieux gérer les fins de match comme aujourd'hui. On a été un peu naïf, encore une fois. On prend encore un but parce que voilà, c'est une faute, je pense, inutile de la surface. Et ça relance un peu l'adversaire. Donc, à l'avenir, il faut essayer de gommer un peu toutes ces petites erreurs et pour arrêter de se faire peur en fin de match. Vous avez joué Danes, vous avez joué Serein ces dernières semaines. Lequel des deux vous paraît le plus costaud pour le titre? Franchement, Serein, ils ont une bonne équipe. Danes aussi, ils ont une bonne équipe. Mais moi, je trouve plutôt Danes, parce qu'ici à Serein, je pense qu'on aurait pu au moins prendre un point.